On va finir ce niveau entièrement et après on va continuer. Je suis aux alentours des 45 FPS là. Allez hop, t'es mort. J'ai des munitions infinies en plus. Wesh les potes, c'est AWS 2001. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un TAWS Play, pas pour un notage de Play sur 10. En fait c'est une découverte d'ordi. Regardez, j'ai quoi devant moi? J'ai un vieux PC. Il a été entre guillemets réparé. Celui-là là-bas il est mort. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un lecteur DVD, DVD-RW. En plus double layer, donc double couche en anglais. Nous avons quoi? Lecteur carte mémoire, bouton allumé, bouton redémarrer, et là c'est le ventilo. Alors qu'est-ce que nous avons? J'ouvre le soir. Je focus. Voilà. Regardez ce qu'il y a ici. Oh, il y a au moins 4 ports USB. Et on peut connecter. Regardez. Il y a 2 cartes graphiques, je crois. Non, il y en a une qui a été réparée avec un port HDMI, je crois, là. Oui, c'est un port HDMI, là. Et un HDMI, du coup, on peut direct brancher. Bon, on se retrouve plus tard, peut-être tout à l'heure pour le test. Allez, à tout à l'heure, les potos. Voilà, les potos, nous sommes de retour après l'installation de ce PC. Non, on va l'allumer pour la toute première fois. Oh, ok. Focus. Ok, donc nous sommes dans le bon vieux Windows XP. Bienvenue. Oh, regardez ce qu'on m'a fait. Regardez, un fond d'écran. TAWS Monsieur 95. Il a fait le fond d'écran pour moi. Merci. Mais regardez comment c'est beau. Oh, il y a Adobe Photoshop aussi. Oh, trop bien. On va voir ce qu'il y a comme jeu. Oh, il y a plusieurs jeux, regardez. C'est quoi ça, Redoubt? Ah, Avengers Pinball, ce sont des pinball, ok. Solitaire, Spider Solitaire, Mega City, Need for Speed Underground 2. On va voir ce qu'il y a dans le DataD. On va voir les propriétés système. Windows XP, édition familiale, TAWS. Processeur, c'est un AMD Athlon 64X2. Donc ça, c'est bien. Dual Core processeur, 4600+, 2.41 GHz avec 2 Go de RAM. Alors, c'est quoi? On a DirectX 9, la marque, le fabricant Acer. C'est quoi le BIOS? Phoenix Award Workstation BIOS version 6. Le processeur, on l'a dit tout à l'heure, 2 Go de RAM, 2048 MB. L'ordinateur, il s'appelle T-Force. À mon avis, il voulait mettre TAWS, mais bon. Windows XP édition familiale, généré 2600. C'est quoi la carte graphique? AT Radeon HD 6800, et c'est à combien de RAM? 1 Go. C'est... Alors, vous pouvez vous redémarrer maintenant. Attendez, je vais baisser le fond parce que c'est trop. Je vais le mettre 13. Voilà, 13, c'est bien. Oh, oui, on va redémarrer maintenant. On va après tester quelques jeux. On va voir si ça marche bien. Allez, à tout à l'heure, les gens. On va finir ce niveau entièrement. Et après, on va continuer. Je suis aux alentours des 45 FPS là. La résolution, c'est 1920x1080. Donc la résolution au max. Et les graphismes au max. Ils sont. J'ai tout mis au max.
On va faire le premier tutoriel ici. C'est un peu compliqué. Le premier, vous savez quand on sort d'ici. À l'avenir, utilise les deux commandes. Attends, là, la souris, je trouve qu'elle est lente. Fonctionne sur tes petits amis. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. On peut dire que tu dégustes, hein. Tu sais, il y a une commande d'esprit. Attends, là, je vais baisser la résolution. Ok, 30 FPS bloqué, ça va. Avant, c'était du 20 FPS sur mon ordi avec Athlon 64 3200+. Moi, je m'en bats les couilles, je suis recherché. Allez hop, t'es mort. J'ai des munitions infinies en plus. Je ne suis pas en état d'arrestation. Je suis en état de tueur. On s'en fout des âges, si je meurs, l'important c'est le test. What the fuck? What the fuck? Il bug lui? Allez hop, tu es mort. Toi aussi. Tu es mort, on s'en fout. J'ai un fusil, c'est bon, c'est trop bien. Oh, le one shot. Même pour ces monstres dégueulasses, je les appelle. J'ai déjà joué énormément à Serious Sam, hein, sur l'autre PC. 170 FPS à peu près, le maximum. Ouh, avec ses dents et tout. Non, pas les dents. 18 cartouches. Oula, là, ça m'a bien aveuglé. Foncez, vous y êtes. Pas mal, sauf, mais j'ai vu mieux. Escalade cette échelle si tu veux réessayer. Oh, le one shot. Presque entièrement l'anglais, moi je l'ai appris grâce au Go Animate là. À l'école, ça prend beaucoup plus longtemps d'apprendre l'anglais. Et vous vous rendez pas compte à quel point j'ai galéré. Merci pour le bouclier. Ça a bien résisté quand même. Oula, il vient de parce qu'il y a un zombie qui va arriver.
Ah, ça va péter, ça va péter. L'important c'est pas de gagner, c'est de tester le jeu si il fonctionne correctement. Oula. Voilà, je perds. C'est sûr et certain que j'ai perdu. S'il n'y avait pas de soucis. Oh, du premier coup. Voir si ça marche bien. Le premier, je l'ai déjà fait. Regardez, 129 FPS. Ça, c'est une copie de Zuma, mais qui est plus facile, je vais dire. Allez. Merci pour l'étoile. J'ai déjà combien d'étoiles? J'en ai 3, ok. Merde. Allez, je vais essayer de jouer le plus rapidement possible. Oh! C'est quoi, c'est un pistolet? Ah! Ok, c'est assez violent quand même comme bruit. Oula, c'est quoi ça? Ah non. Non, non, ça ne sert pas à grand chose. Ok, donc on est bien pour l'instant avec ça. Ok, je crois que ça c'est la dernière pile. Et encore une étoile, merci pour la quatrième. Une autre s'il vous plaît, merci. Bon, c'est pas grave. Oh, reverse, oui. Ça s'inverse. Allez, j'ai fini. Oh, regardez, on a du 50-60 FPS là. Trop bien. En plus, c'est un PC avec Windows XP. Édition familiale. C'est pas pro, hein, c'est édition familiale. Moi quand je suis Mario, j'adore sauter. Attendez, j'ai essayé de tenter d'écraser un Goomba avec. Merde. What the fuck? What the fuck? Je suis bugué, attendez, je prends une capture d'écran, voilà. Allez, je vais tenter de l'écraser là. What the fuck, il me voit pas. Voilà, là t'es mort. Ah oui, entrée c'est attaqué, c'est vrai. La touche enter c'est attaqué. Oula, c'est quoi ce son de merde là? Putain de merde, c'est quoi ce bruit de merde là? Non mais putain, c'est quoi ce bruit là? Bon sinon regardez, 60 FPS bloqué. C'est comme juste que j'aime bien 50-60 FPS. Eh ben si, c'est encore bugué. Bon, je réglerai le problème plus tard. Le jeu pareil, 60 FPS bloqué. Je vais régler le problème plus tard pour dans la configuration du jeu. Regardez, sinon le jeu est à 60 FPS. Et ça fonctionne très 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 très.
Très bien. Et les graphismes, oh my god, ils sont vraiment trop stylés sur PC. Sur PS2, c'est assez moche. Et oui, c'est encore bugué, putain de merde. Et pareil, 60 FPS bloqué. Oui. Oh, 60 FPS aussi. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en haut à gauche, il y avait marqué 60 FPS. D'ailleurs, si vous m'aidez à atteindre 1000 abonnés, ça serait franchement un grand plaisir. Plein de petites chaînes comme Jérôme, Florian Cell, etc. Des petites chaînes, je veux dire, des chaînes qui ont moins de 5000 abonnés. Il y a Vérôme, Florian Cell, Palette Funiman, Super Nintendo Boy, etc. etc. Il y a aussi French TV Archive, il y a aussi un russe qui s'est abonné à moi, je crois. Je sais pas si c'est un russe, mais c'est des écritures russes. Mais bon, allez-y, vous prenez des trucs, je m'en fous. Voilà, échec. C'est parti. Il n'y a plus d'FPS. Mais c'est pas grave. Au moins, on sait que c'est dans les 40-50 FPS. Oh, à peu près. Peut-être 60. Hein. Regardez comment c'est fluide. On peut regarder derrière avec effacé. ...274 km/h. On espère qu'on va arriver aux 300. Les graphismes sont au max, hein. La résolution est au max. J'ai tout mis au max. Et regardez, ça fonctionne nickel, très fluide. Merde. Là, c'est dur comme jeu. J'ai beaucoup joué à ça. Oui, je m'en souviens. Alors, on est à combien d'FPS? 50. L'important, c'est pas de gagner, là. C'est de... Oh, le péril. Oh, le péril. Attends, c'est quoi ça? Oula, grenade. Merde. Elle explose en retard, non? Allez hop, MP40. Mon arme préférée dans le jeu. Celle que j'ai utilisée dans Call of Duty 3, vous en souvenez? Mais ça, c'est l'opus précédent. Game save. Alors, prochain checkpoint en vérité là. Et on va terminer le test pour ce jeu. Voilà, il est pas encore mort. Attendez, je vais changer d'arme pour le tuer plus vite. Et en plus, ça tire plus vite. Oh, je spam, hein. Moi, je spam les ennemis. Il est pas mort. C'est bon, il est mort. C'est parti, enfin. Voilà, allez, boum. Voilà, toi aussi, t'es mort. Je n'ai plus de balles. Ah, c'est bon, j'ai trouvé plein de munitions. Oh.
You're not coming for me, asshole. No, I am not. Ok, y'a personne. C'est quoi ça? Ah, c'est rien. Où sont les autres ennemis? C'est quoi ça? Je suis bourré de balles là, hein. You're dead. Voilà, 89 balles de munitions en plus. Wow! Je peux tirer? Ok, ça fait rien. Je vais éviter. Faut juste s'arrêter? Ah, il faut s'arrêter. Ah, ok, faut se dépêcher. You are driving very good, mister. Ah, c'est là, c'est rapide. Thank you. Ok, il me reste 32 secondes. Il reste 3 minutes pour la fin de l'objectif. C'est là. What? Ça freine plus. Voilà. J'ai gagné plus de 200 là. 231. Oh la vieille dame. Bonjour. Of course. J'ai eu un accent britannique là, of course. You are a good boy. Thank you. J'ai tous les accents traditionnels en anglais. Oula bordel. J'ai déjà pété 3 langues. Ok. Voilà, on est aux 150 FPS en moyenne. Mais là, sinon, on est dans les 170 FPS. 160-170 en moyenne. Oula, en rouge, attendez. Ça veut dire quoi en rouge? Ça veut dire beaucoup d'argent ou peu d'argent? Allez, là, ça fait 40 minutes que je filme avec l'iPhone. Oula, 2 minutes, donc à mon avis, ça doit être loin. Bref, on a fini le tutoriel, après on va arrêter. Ok, on a entre 30 et 50 FPS. J'ai fait du noscope, entre guillemets. No. Game saved, ok. Faire attention aux innocents.
quoi, comment ça, un civil? Regardez, on est à 30 FPS. Ok, on va conduire jusqu'à la maison. On va conduire jusqu'à la maison, Swag est arrivé. Ok, maintenant. Ok. Nico. You ever had two women at once? Four big titties to be playing with? Mrs. Samda, Giovanni, io ti ci ho raggio, vece! Ne mogu te cacio, dai, mamma! Oh là, il y a eu un petit lag. Oh non! J'étais à 15 FPS là. C'est pas très bon. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Il a un accent qui est serbe, parce qu'en fait Nico il est serbe. Je connais par cœur GTA 4 moi. Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest. Every possible choice. Ok. Donc voilà! Cette vidéo est enfin terminée! J'espère qu'elle vous aura plu. Donc attendez. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai énormément souffert. J'ai pris 4 à 5 jours pour tourner une vidéo comme ça. Non mais what the hell? J'ai énormément souffert, hein, s'il vous plaît. La prochaine vidéo, je la sors dans 10 likes. 10 likes et je sors la prochaine vidéo. Je reprends les vidéos à partir de 10 likes, s'il vous plaît. Parce que 5 jours, vous en rendez compte? Vous en rendez compte? J'ai fait combien d'heures de travail à peu près? Au moins 90 heures de travail, hein? Oh my god! Bon bah voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez de la commenter, partagez la vidéo. Tchuss les powder!